Oh, un 40, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un 40? 69, nice. Oh! Ah! Arrivez-vous à calculer la hauteur du réverbère en mètres à partir de son nombre? Non, je n'y arriverai pas! Voilà! Je n'y arriverai pas, ta réponse, connard! La borne se trouvant à côté du réverbère mesure un mètre. Bah, c'est super. On n'appelle pas ça une borne, on appelle ça une bite. Alors que l'ombre qu'elle projette mesure 1m50. C'est fou, cette histoire, non? C'est impossible. Pythagore, toi, nous, ta gueule. Je crois que je me souviens de Pythagore. C'est quoi? C'est AB au carré plus AC au carré égale BC au carré? C'est ça? Mais une fois que j'ai ça, Et bah c'est nul, ça me sert à rien, indice. Intéressons-nous à l'ombre projetée sur le mur. Comme le lampadaire et le mur sont tous les deux verticaux, réels. Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Regardez, ils sont comme ceci. Ça, c'est la projection de l'ombre et ça, c'est le lampadaire. Voilà. L'ombre n'est pas étirée. Exact. En fait, cette ombre est la même, est à la même échelle que n'importe quel autre objet vertical, comme la borne, par exemple. Parallèle. J'ai dit perpendiculaire, ça, c'est perpendiculaire. Ça, c'est parallèle. My bad là-dessus. Et d'accord. Imaginez une borne de 2 mètres. Je l'imagine. Quelle serait la longueur de son ombre? L'ombre de la borne de 1 mètre faisant elle-même 1m5. L'ombre d'une borne de 2 mètres mesurerait donc 3 mètres. Oui, la borne mesure 1 mètre et son ombre mesure 1 mètre 5. En d'autres termes, l'ombre est 1,5 fois plus longue. Ouais. La partie de l'ombre du réverbère se trouvant au sol mesure 3 mètres. La partie correspondante du réverbère doit donc mesurer 2 mètres. Par pitié, un effort. Par pitié, Lisabribus, tu te prends... Attends, je réfléchis. Combien, Lisabribus? Combien pour Lisabribus? Combien pour Lisabribus? Combien? Ça sera... 14 heures. La borne mesure 1 mètre et son ombre mesure 1m5. En d'autres termes, l'ombre est 1,5 fois plus longue. Oui, j'ai bien capté ça. Exactement pareil que si... voilà. Non, pas l'indice plus. C'est pas un bébé. Hein. Attends. Il met une borne de 2 mètres. Oui, bon d'accord, ça fait 3 mètres. Donc ok, oui, c'est bon, ok. Sauf que là, l'ombre, elle fait 3 mètres, mais plus 2. Mais attends ta gueule. Attends quoi? Non, attends. Là... La partie de l'ombre du réverbère se trouvant au sol mesure 3 mètres. D'accord, mais sauf que je veux virer ce mur, moi. Le mur, là, ils mettent pas. La partie correspondante du réverbère. Ah, je l'ai! Je crois. Attends. Bah, c'est... Il fait 4 mètres de haut. Vérifions cette hypothèse. Putain, mais la dinguerie, putain, j'ai tellement bien fait de rester sur Twitch et pas d'accepter ce contrat à 10 millions d'euros sur Kick qu'on m'a proposé hier, là. C'est réel? Hélas, non. Non, ce n'est pas réel, sinon tu verrais pas ce live sur Twitch, je peux te dire tout de suite. Je peux te dire tout de suite. Ce live, il serait pas sur Twitch à l'heure actuelle. Même la vérité, s'il me proposait 10 millions, je les prendrais pas, quand même. Par contre, au-dessus, on peut discuter. Après, on peut discuter, mais il y a peu de chances que j'accepte, quand même. Où va le monde, je vous le demande?